Hello, bonjour. Je vais parler de Kate Middleton et de Meghan Markle. À la une des journaux, on nous parle de similarité ou similitude hein, entre Meghan Markle, la duchesse de Sussex, et Kate Middleton, la femme du prince William. On dit qu'elles sont pareilles. En fait, j'ai même pas voulu lire cet article parce que je sais que ça va nous raconter des histoires. Hein. Ce sont des articles qui ont été écrits dans un tabloïd, puis en fait, ça a été repris dans tous les autres tabloïds. En fait, ça dit que Meghan Markle et Kate Middleton sont en quelque sorte similaires, même s'il y a quelques différences. Quand j'ai lu ça, en tout cas, le titre, ça m'a fait bien rigoler parce que je ne vois aucune similarité ou similitude entre les deux. Ce sont deux femmes à caractère complètement différent. Je pense que les deux ont des caractères bien trempés. C'est que l'une le cache plus que l'autre. Meghan Markle a montré que c'est une femme indépendante. C'est quelqu'un qui avait déjà la trentaine passée quand elle a rencontré son mari. C'est une femme qui s'était battue dans la vie pour arriver où elle était, qui a prouvé qu'elle était intelligente, qu'elle était éduquée et qui s'est construite une carrière, puis est ensuite arrivée au prince Harry. En fait, c'est même pas elle qui allait voir le prince Harry. C'est lui qui l'a découverte. C'est une femme qui a de la trempe. Elle a dit non à la famille royale, elle a claqué la porte, voyant qu'on l'utilisait. D'ailleurs, on l'a maltraitée même et on essayait de ternir sa réputation. Elle n'a pas hésité à claquer la porte et faire un bras d'honneur à la famille royale. Donc, ça prouve quand même que c'est quelqu'un de bien fort. En ce qui concerne Kate Middleton, elle n'est pas la petite innocente, gentille qu'on croit, parce que donc, on nous montre une personne qui est gentille, généreuse, bonne, attentionnée, alors que sincèrement, je pense que c'est quelqu'un qui veut protéger ses intérêts. Elle veut être la reine, elle veut être celle dont on parle. Elle a beaucoup souffert de la critique quand Meghan Markle n'était pas sur le terrain. Il faut rappeler que Kate Middleton a beaucoup été critiquée au début de sa relation avec le prince William. Elle en a souffert. Elle n'était pas la favorite dans le cœur des Anglais. Hein. C'est ce que les gens ont oublié. Et du coup, elle voit une Meghan arrivée qui prend tout, ça a dû la mettre en rage et la faire sortir de ses gonds et faire que son mari s'en mêle aussi, même si son mari, je crois qu'il avait déjà quelque chose pour Meghan. En tout cas, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de similitude ou similarité entre les deux. L'une a fait ses études pour ensuite travailler, l'autre a fait ses études pour se marier, faire un très bon mariage et devenir princesse et future reine d'Angleterre. L'une sait s'exprimer, l'autre a un peu du mal, l'une a confiance en elle, l'autre un peu timide. Donc, je ne vois pas de similarité, similitude entre les deux. À part peut-être le fait qu'elles ont épousé des membres seniors de la famille royale. C'est tout ce que je vois. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.